Voilà, salut, 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 salut. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien, très, très bien. Comme mes couleurs. Je voudrais qu'on cause. Je voudrais qu'on bavarde un peu. Il y a des choses que je vois aujourd'hui, je me dis, ah, il était temps que la roue tourne. Hein. Il était vraiment temps que la roue tourne. Quand la roue stagne et qu'elle reste au même endroit, on est en droit de se poser des questions. Il faut que la roue tourne pour que les gens apprennent à se respecter. Et quand on apprend à se respecter, on se respecte déjà soi-même. Si tu respectes, tu te respectes. Tu es obligé de respecter les autres. C'est très important. Je continue à recevoir les colis. Hein. C'est comme ça que j'ai reçu cette casquette ce matin. Très important. Je vais la porter devant vous. Hein. Respectons-nous. C'est important. Respectons-nous. Respectons-nous. C'est quoi cette haine que deux chanteuses de Bikutsi ont installées sur Internet pour dénigrer les autres? Et comment la roue tourne? Et comment la roue la tourne maintenant que elles ont confié leur vie à une prostituée bamileke? Et c'est elle qui est en train de venir les dénigrer comme ça. Comment vous me trouvez là? C'est moi-même. Il y a des personnes qui ont des insomnies aujourd'hui. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Mais moi, je rigole. Je rayonne. Vous aurez pu miser que ce n'était pas possible. Que moi, je puisse rayonner à cet instant. Mais je suis là, je rayonne. Je ris à gorge déployée. Je ris à gorge. J'ai beaucoup souffert. Beaucoup de chanteuses aussi ont souffert de cette clique-là qui dénigre. Mais comme les gens sont toujours dans l'hypocrisie, ils ne peuvent pas se plaindre. Moi, je m'étais juré que je dois me plaindre jusqu'à ce que je trouve la solution. Ce n'était pas normal. Je trouvais que c'était anormal de subir ça en silence. Aujourd'hui, où en sommes-nous? La honte est retournée où? La honte est de quel camp? La honte est où? Pourquoi dénigrer toujours les autres? Donc pour évoluer, pour avoir le succès, il faut publier les autres nus. Pour avoir le succès, il faut humilier forcément. On porte la honte là avec quoi maintenant? On porte la honte là avec quelle main? Hmm? On porte la honte là avec elle-même. J'espère que vous suivez les vidéos. Hein. Fleur de Lille, elle s'étale dans les vidéos. Hein. Elle ne va pas de main morte hein, pour casser les papots. C'est ce qu'on dit en langage ivoirien. Elle ne va pas de main morte hein, pour casser les papots. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour casser les papots? Facebook n'a pas été créé pour casser les papots. Mais à un moment, il faut dire toute la vérité. J'ai exigé la vérité. Et toute la vérité doit sortir. Ce n'est que le début des humiliations. Toute la vérité doit sortir sur ce que j'ai subi sur Facebook gratuitement. Dans le sang de Jésus. L'humiliation là arrive, c'est fort. Hein? C'est chaud. Hein? Qui va avoir pitié? Est-ce qu'elles ont eu pitié de moi? Est-ce qu'elles ont pensé à ma famille? Est-ce qu'elles ont pensé à mes copains? À ma vie? Attendez, ne quittez pas. Hein? J'ai certainement un invité. Ouais. Allô? Hein?
pas mon beau vidéo, mais je vois la télé. Oh, okay. Mon frère est venu me rendre visite. Donc je vais m'arrêter. On recommence tout à l'heure. Hein. Mon frère est venu me voir. Je ne peux pas le mettre dehors. Je l'aime beaucoup. Donc je reviens tout à l'heure. Pour qu'on casse. On casse les papos. Je suis contente. Mon frère, oh. Oui. Ou bien prends l'habitude, tu vas manger avec ton beau-frère. Moi, je fais la vidéo là, c'est important. Oui, faisons la bise. Il y a une nous quoi, on nous voit. On a vidéo. On a vidéo. Ok. Non, mais dis-moi, il y a fou. Pourquoi dire beau-frère, oui. Tu manges la nourriture avec quoi? Hein? Monsieur Zomo, tu. Ah oui, on laisse-nous. Ne t'inquiète pas, vos vidéos. N'est-ce pas? Je m'inquiète pas. Tu seras trouvé. Où est-ce qu'il me signe un dundo? Je suis contente de te voir, ça va? Oui, ça va. Ok. Donc tu te sers là, maman, vos vidéos. Il faut que je parle, sinon, mes voix. Donc je vous disais tantôt que. Voilà. Laisse, Julie. Un bois du haché. Un cuiseur, un cuiseur, voilà. Bon. Et combina fermier ça, pintal dans un four. Un four, moi. Non, un four. Ça marche, ça marche. Et puis soit, ouais, il me fait bisou, bien. Ouais, nous, oui, je vais nous faire. Ouais, nous, bien, nous. On a rien. On a rien qui me dit, allez, c'est là. Donc, je vous disais que les révélations continuent. Ça fait froid au dos. Que des fibres qui sont allées se confier aux fibres amilikées. Et ça sort comme j'entends là. Je vais vous faire écouter ça. Hein. C'est dégueulasse. Je n'ai pas seulement commencé à détester ma Bangala. Hein. C'est quand j'avais vu comment les fibres qui se confient à elle. Et je me suis dit, ça va donner quoi plus tard? Et voilà ça aujourd'hui. Je ne déteste pas les gens pour rien. Je commence à détester ma Bangala Fleur de Lille parce que je vois comment. Voilà. Là, elle continue, hein. Elle n'a même pas fini. Okay. Non, mais dis, mon frère. Comment il y a bien, mais il y a dit, hein. Il y a quelqu'un en Angleterre qui m'a appelé qu'on sponsorise le combat avec elle, la boxe, bref, je vais m'entraîner. Il y a William Jordan qui peut sponsoriser aussi la boxe, les gens qui vont payer les billets, on fait ça. Je suis prêt, je dis qu'il n'y a pas de lâcheté. Ne gérons pas que les ministres du Cameroun vont bloquer la frontière. Allons au ring. Allons sur le ring. Oui. Quand quoi, mamie? Mettons. Il n'y a pas deux Chantal comme moi, oui. Ici au Cameroun. Ils ont respecté. Toi, tu as fait quoi? Votre maison, j'ai vu ça, la honte de ça. Montre-nous ce que tu as au Cameroun, vois. J'ai porté les couleurs du Cameroun. Tu es connu dans les chambres d'hôtel. Binda, tchoup, 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 c'est ça que tu portes. Tu es une artiste, c'est normal. Non. Les gens qui envoient les têtes, moi, vous bloquez. Je ne rigole pas avec vous. Imbécile à vous, je me dis qu'on race. Fleur de Lille. Tu seras jamais comme moi. Jamais. Parce que tu crois qu'elle va être comme toi. Je ne souhaitais jamais être de prendre la drogue, dormir dans les cimetières, dormir dans les tombes. Pour être une artiste, même jusqu'à là, la gloire a donné quoi? Oh, 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 oh. Oh, oh. Regardez. Hein? La honte de ça. Regardez. J'avais parlé la fesse, sinon. Que les filles petites. Vous partez marcher avec les filles américaines, pourquoi? Parce que tu sais, écoutez, que ce que tu dis, c'est vrai. Et tu tentes, elle fait encore une vidéo sur moi. C'est un avertissement. Je dis bien que si elle est une femme, elle vient faire une vidéo sur moi. Je veux parler au Congo, ça que tu as dit de la première dame du Cameroun. Il va assumer ce que tu as dit. Je vais assumer ce que tu as dit à de la première dame du Cameroun. Je veux parler la vérité. Viens parler le jour là quand on va t'attraper. On t'a envoyé acheter le lait de toilette. Tu as mélangé le grimba dedans. Tu as mélangé le grimba dedans. Une artiste t'a envoyé acheter le lait de toilette.
Tu as mélangé ça avec un truc qui lui a donné le coro-coro sur le corps. Jalouse de ton état. Tu viens parler quoi? Je me mesure pas toi parce que je ne chante, je ne prends pas le micro. C'est toi qui prends le micro. Tu fais encore une vidéo sur moi. Je parle le Congo, ça qu'elle a parlé de la première dame du Cameroun. Je dis tout. Oui. Je veux parler le Congo. J'avais dit de ne pas faire les amitiés avec les fibres américaines. Non. Ouais, j'avais parlé ça, non. Que les fibres qui vous me vendez à 5 francs. Je suis calme. Voilà donc la poupine. Comme tes soeurs Betty là. Voilà. N'importe quoi. Regarde-moi une vieille. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Regardez-moi ça. Ça. Elle n'a jamais travaillé. Flore de Lille n'a jamais travaillé. Elle insulte une grande chanteuse. Tribaliste que tu sois. Grande tribaliste de ton état. Yes, une née à Yaoundé. Et puis quoi? Au Cameroun, partout c'est chez moi parce que je suis camerounaise. Toi-même, si tu es français, tu as le passeport français dans tes poches. Et tu viens là, oh, à Yaoundé. N'importe quoi. Vous aimez trop jouer avec votre Yaoundé là. Il y a quoi là-bas? Donc, les Yaoundé appartient à tous les Camerounais. Tu comprends? Yaoundé, Yaoundé, Yaoundé. Et l'ennoise ou toi-même. Sale chienne, tu sois. Voilà. Merde. Elle parle quoi comme ça? Que personne n'entre, c'est toi et moi. Ne prends personne, ne recule pas. Machin, je fais mon palabre. Regarde-moi ça. T'as pas honte? Oh mon Dieu, je te rends grâce parce que... M'aide. Non. Quand j'appelle mon Seigneur, il exauce. Regarde. Ouais, quand on mélange les marabouts et les guises, c'est comme ça. Qui t'a envoyé? Va donner ce qu'on t'avait demandé au Bénin là. Va donner ce qu'on t'avait demandé au Bénin là. Tout ce que tu as fait au Bénin. Mais au Gabon, il y a un truc là qu'elle avait fait au Gabon. C'est quand je te mets le nom de ça, un truc là. C'est un truc de maraboutage là au Gabon. Flore de Lille, il y a quoi, ça ne donne plus ma chance. Flore de Lille, il y a un mari, il faut qu'on le mette sur le plan. Regardez. Tu vois la quoi, les dépresseurs, antidépresseurs. Dama qui, tu es malade dans ta tête. Tu connais où j'habite, non? Elle est sauvage. Tu connais où j'habite, non? En France, on cache l'adresse. Dame, tu prends le couteau, je prends la machette comme ça. Distance. Regardez. Je te traite à distance. Avec une machette. Montre-nous comment tu es malade. On reste que tu fais là. Maman, c'est pas de ma faute. Le seul homme qui voulait t'épouser, il t'a trouvé dans la chambre en train de sucer le micro. Hein? Quand c'était pas le jour qu'on te trouve en train de sucer le micro, on te trouve en train de lécher la chatte. Là où tu es là, tu n'es pas marié avec l'arabe là. Vous êtes seulement en concubinage. Et il est malade. Il est gravement malade. Le monsieur est gravement malade. Il a le cancer. Elle attend quand il va mourir pour hériter. Mais malheureusement, ce monsieur a les enfants. Est-ce que tu es marié? Non, tu n'es pas marié à ce monsieur. Elle n'est pas mariée. C'est le vieux reste. Elle vit le concubinage. Parmi tous les ministres, avec toute ta beauté, pourquoi tu n'étais pas mariée? Jamais mariée que l'acte mariage. Pourquoi? Pourquoi toujours parler qu'on attend à Yaoundé au Cameroun? Le Cameroun appartient à tout le monde. Et je dis à tous ces ministres de la République, arrêtez le fait que les gens provoquent en comptant sur vous. Je suis aussi une Camerounaise. Que le combat soit en Angleterre, aux États-Unis ou bien à Paris, laissez les histoires du Cameroun là. N'importe quoi. Tu m'ôtes qui? Elle étrangle qui? J'ai dit que elle va étrangler qui? J'avais parlé l'affaire de la qui? Excusez-moi, quand quelqu'un dit qu'elle va étrangler, elle va étrangler qui? Je t'ai dit que donc, moi je vais seulement arracher. Attends, comme tu aimes la pipe là. Une femme qui aime la pipe, comme tu aimes la pipe là. Machin, Flore de Lille. Comme son ex-mari n'a même pas raconté tout là. Tout sera raconté. Oui, machin. Sans coup, machin. Et lance ou toi-même. Machin. Chienne de ton état. Tu es qui? Sale chienne. Une femme qu'on a baisée partout. Tu as souvent dit que j'ai cherché. Je cherche, je trouve, je trouve. À nos supporters. Et lance ou toi-même. Je ne peux pas te parler. Tu es qui? Tu es qui toi-même? On va se parler. Elle est qui? Laisse-moi les histoires que tu agresses les cardinaux, tu agresses le Congo, ça des autres artistes que tu fais là. Le Congo, ça que tu as dit sur la première dame du Cameroun, qu'on t'a chassé à la présidence. Ça fait combien d'années tu n'as pas mis pied à la présidence? Hey, j'ai marché avec la première dame, c'est ma copine. Quelle copine?
t'occuper de ce monsieur qui t'a aidé à te donner un logement qui est très malade. Percer. Oui. Les choses qu'on met sur toi là. C'est naturel. Tu dis que je peux t'accoucher, bon, voilà mon corps. Enlève. N'aie pas envie de dire les gros mots. Déshabille-toi. Tu es ouais. Gros mots, tu vas pleurer. Pourquoi je vais pleurer? Tu es malade. Elle me connaît, non? Peignant, je vais pleurer. C'est moi qui vais te dire les gros mots, tu vas pleurer parce que tu connais. C'est moi qui vais. Parce que moi, pour moi, tout le monde connaît déjà. Quand je vais dire ta part, on va dire que quoi? Tu as vu que j'ai seulement fait seulement une vidéo. Je t'ai même pas insulté. Tu as déjà pété les plombs. Quand je vais seulement avec les témoins, hein, tu veux que j'appelle l'autre fille là? Si tu veux, j'appelle l'autre fille là. J'appelle l'autre fille. Tu sais de qui je parle, non? Tu sais quelle fille je parle, non? Quand vous aimez menacer les gens là, tu sais de quelle fille je parle. Elle a peur que je vais dire. Je n'ai même pas encore parlé, tu gesticules. Père, tu m'as fait ça, moi je parle quand je veux. Mes gens. Des gens que tu parles où? Tout ce qu'elle dit, mes gens. Regardez-moi une artiste qui se respecte, mes gens, sur Facebook. Mes gens. Tu n'es plus président des syndics des homos, hein? C'est fini ça. La présidente des syndics des homos, là. On t'a nioxé là-bas. Une lesbienne t'a baisé avec le hôte. Toi, tu as fait en Suisse, je donne le nom. Tu as baisé, une lesbienne t'a baisé en Suisse. Tu as porté les couleurs du café. Oui. Toi, tu t'as godé jusqu'à. Ça veut dire qu'une lesbienne t'a mis le godé en Suisse, là, le godé ceinture. Tu veux qu'elle donne son nom? Tu veux qu'elle donne son nom? Celle qui t'avait baisé avec le godé ceinture, là, je donne son nom. Est-ce que je donne son nom? Hein? Je n'insulte pas les gays, hein, parce qu'on ne choisit pas d'être gay. On est pour être gay. Tu comprends? Mais ce n'est pas parce qu'une femme est gay qu'elle va entraîner tout le monde dans la gay mania. On n'entraîne pas tout le monde dans ça. Si certains refusent, il faut laisser qu'ils refusent. Tu as deux sexes, oui ou non? Elle a deux sexes, oui ou non? Moi, je dis et je réaffirme. Si je manque, on entre à l'hôpital avec un médecin. On prend même trois médecins ou quatre médecins camerounais. On écarte nos clitoris. On écarte ses fesses. On filme. On cache son visage. On écarte ma pomme. Elle a deux sexes. Elle a son clitoris. C'est comme un petit pénis qu'on peut décaloter. Et elle a le sexe d'une femme en même temps. On appelle ça que quoi? Elle arrive en France. Elle ne peut pas aller couper ça. Il faut choisir. Il faut choisir. Si tu es une femme, tu choisis d'être une femme. Tu es malade. Mon nom? Regarde, ton nom, que son nom c'est quoi? Poubelle de la République, que tu sois. La poubelle de la République. La poubelle de la République, la serpillère de la République. Pour moi, c'est naturel là. Oui. Bien sûr. Et Saint, tu as fait quatre fois, tu le sais très bien. Un temps, tu avais fait, c'était penché. Si tu veux, je mets, on voit. Ouais, attends, je ferme. Voilà les artistes là-bas qui sont les petites soeurs qui sont venues derrière toi. Regarde comment elles tremblent comme si elles étaient dans le truc du vaudou là. Regarde comment elle tremble. Ma chambre. Elle tremble quoi? Ma chambre. Oui. Les villageois qui parlent, oh maman. Qui vous dit que les belles femmes ne peuvent pas. Elle se respecte, on la reine, elle respecte, on manque le respect. Elle cherche quoi? Vous croyez que je reste calme parce que j'ai peur de. Vous êtes malade? Dis donc, on se retrouve avec les pisseurs. C'est toi qui pisses. Quand tu joues, tu cries, tu pisses. Tu le sais très bien. Une sauvage. Une femme que même dans la baise, elle est sauvage. Une sauvage que même dans l'amour, elle veut qu'on la tape d'abord. On la bastonne. Si tu veux, on entre dans ta vie privée. Elle aime. Bon, hein. Les histoires que vous entendez que Baga, quand cette femme parle comme ça, ça l'excite. Ce n'est pas que c'est parce que vous ne comprenez pas le truc. Elle est homophobie. Homophobique ou c'est quoi là? Oui. Quand on partait à l'école, tu étais où? Va sur ton, dans ta chambre. Là où tu accroches les trucs là, là où tu as le, comment on appelle ça, c'est comme une petite valise, mais c'est, on appelle ça que quoi, comme une petite valise. J'avais parlé l'amitié si. Il y a les trucs de dedans, il y a tous les trucs, donc, il y a les trucs de sadomasochistes dedans. Si Chantal était bamileke, elle ne devait pas venir parler. Tu parles quoi?
C'est parce qu'elle est bêtise. J'ai parlé l'affaire de l'amitié, c'est que Seigneur. Seigneur! N'importe quoi. C'est ma nudité qu'on a mis sur Facebook comme ça. Elle est quadruple sim. Jusqu'à ce qu'elle est. Mais vous parlez même de quoi là? Vous parlez de quoi? Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Chacun a sa vie, vous comprenez? Et chacun a le droit de se faire plaisir parce qu'il intéresse. Mais ne fais pas comme si. Vraiment, il s'est dit que. Ouais, vraiment. Mais il faut arrêter de faire comme si. Hein, comme si c'était été super. Oui. Elle est belle, je n'en dis qu'on vient pas. Mais elle a que l'eau dans le sel. Ça dit que c'est une. Donc, Fleur de Lille insulte. C'est la poubelle de femme. C'est le papier Fleur de toilette. De vous parlez de quoi? Parce qu'elle n'est pas montée dessus. Elle a ses secrets. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Quand elle n'est pas belle, il y a plein d'artistes qui sont belles. Pourquoi on n'entend pas telle est sortie, telle est sortie, telle a payé. Les commissaires, les petits policiers, même les vannes-pieds. Tu veux qu'elle donne le nom d'un monsieur qui travaille dans le restaurant à Paris qui baise avec toi? Je ne veux pas donner son nom. Il travaille au restaurant chez la doyenne, il sort avec toi. Oui, le monsieur là sort avec toi. Il est là-bas au restaurant la doyenne. Ce qui mange souvent avec lui. Oui, au restaurant la doyenne, le monsieur là sort avec toi. Tu veux que je te parle encore d'une fille que tu as discuté son gars? Mais vous parlez même de quoi, dis donc? Pourquoi c'est les histoires de Nias de la Sébière? Elle parle quoi, c'est-à-dire que baiser, baiser. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Je veux savoir qui est au Cameroun. On n'a aucune femme qu'on a la baiser comme cette femme. Ici, aucune. J'ai fait, on a vu. Oui. Toi, tu as fait quoi? Touma, elle, attends, baiser, quelqu'un peut parler de baiser, baiser. Vous entendez ce qu'elle dit? Comme moi, j'ai Touma, 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 Touma. Il y a quelqu'un qui peut baiser, qui a bien baisé au Cameroun plus que cette femme. Parlons peu, parlons vrai. Qui au Cameroun n'a pas baisé avec cette femme? Que ce soit le pousseur, je dis que même ici à Paris, il y a un monsieur qui débarrasse les plats au restaurant. Le monsieur la soit jusqu'à elle appelle et pleure. Vous parlez de quoi? Mais c'est vous qui voyez même la grande classe là où maman, vous voyez même que les gens sont classe. Quand on est classe même dans le comportement. Vous parlez de quoi? Je dis que je dis, j'assume. Ouais. Hein? J'avais parlé l'affaire de l'amitié, c'est que vous ne pouvez pas aller vendre votre soeur chez une fille banlieue. Et quand elle va monter sur vous. Tu portes les couleurs du Cameroun. Toi, tu portes quoi? La mbinda? Le manga, tu fous. La cocaïne, tu prends. Mon nom? Tout. Que ton nom c'est quoi? Que ton nom c'est quoi? Tu te respectes? Fleur de Lille. Voilà. Je ne peux même pas rêver d'être toi. Mais non, pour ça, hein, je préfère ma position que d'être comme toi, maman. Je ne peux pas penser être comme toi. Hein, je ne peux pas penser être comme toi, maman, parce que tu n'es rien. Tu as porté les couleurs du Cameroun, c'était avant. Tu n'es pas fini comme tu finis là. Hey. Maman, je ne souhaite pas que mon père décède de ma mère me demande de ne pas venir au deuil. Donc, c'est un truc, hein, c'est quelque chose qu'un enfant. Là, ta malédiction, tu la portes seule. Attends, vous imaginez, un enfant arrive au décès de son père, on lui dit que non, tu ne peux pas assister. Pourquoi on t'a dit ça? Viens parler de ta vie. Ne fais pas, ne tourne pas, tu mets l'attention sur moi, alors qu'il y a trop de choses à dire dans ta vie. Ne m'énerve pas, je m'assois, je parle. Fleur de Lille ne peut pas parler comme ça à une fille banlieue. Elle devait cacher. Je vous dis sincèrement, hein, parce que j'avais parlé ça. Entrer dans l'affaire-ci là. N'entrez pas, oh. Je connais la femme ici depuis 2000. Je la connais depuis dans les années 2013. Voilà. Quand je dis connaître, ce n'est pas quelqu'un qu'on a bu le verre ensemble. J'ai déjà précisé que ce n'est pas quelqu'un qu'on a bu un verre ensemble. Mais c'est quelqu'un qu'on était au téléphone de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voici son dernier message sur. Attendez, je vais vous montrer le dernier message sur WhatsApp. Hein. C'est quand Roméo la lavait là. Je lui ai dit que non, ne réponds pas, s'il te plaît. Voilà ça. Parce que les gens vont vouloir parler comme si. Et tout. Voilà. Ok. Elle ne m'a pas bloqué sur WhatsApp, c'est bien. Ça. C'est elle et moi ici. Hein. C'est elle et moi ici. Hein. Ce n'est pas comme si. Ce n'est pas que. C'est elle et moi ici. Hein. Tout ce que vous voyez là, c'est elle et moi. Hein. Tout ça là, c'est elle et moi. Hein. C'est elle et moi. Hein. Ce n'est pas comme si ça là, c'est elle et moi. Hein. C'est elle et moi. Hein. Comme tu peux causer avec quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas que les gens. Et les gens cherchent à faire comme si c'était que. Ça, c'est elle et moi. Hein. Tout ça là, c'est elle et moi. Hein. Ce n'est pas que. Mon nom. Regardez bien. Hein. Tout ça là, c'est elle et moi.
quand elles sont un album et tout, il faut que tu partages et tout. Ça, c'est en 2017, ça. Parce que mon autre téléphone, c'est elle et moi ici. Hein. C'est elle et moi. Hein. Même certains voient du Congo, ça, oh Valérie Amougou. Donc, je veux juste pour que les gens comprennent. Parce qu'il ne faut pas que les gens se mêlent comme si... Non, tout ça, c'est elle et moi. Je laisse ce message. Hein. Ça, ce dernier message que j'avais envoyé. Attendez, je pars au dernier message. Ça, ce dernier message. Quand elle m'avait donné l'adresse pour envoyer quelque chose, je ne vais pas mettre... Voilà mon adresse. Ça, c'est quand elle m'avait envoyé l'adresse pour que je lui envoie le billet d'invitation. L'adresse. Que je lui envoie le billet d'invitation. Je ne vais pas mettre son adresse. Et j'ai envoyé. Voilà la dernière fois qu'on a parlé. Hein. Et c'était quand, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit de ne pas répondre à Roméo Dika. Bonsoir, pardon, s'il te plaît, ne réponds pas à Roméo Dika. Voici ça. J'ai dit que ne réponds pas à Roméo Dika. Ne le gère pas. Elle a répondu quoi? Ok, ma fille, j'ai répondu. Merci beaucoup, je n'ai plus répondu parce que je ne discute pas beaucoup. Bref, je l'ai dit la dernière fois quand Roméo Dika a parlé. Donc, il faut que les gens arrêtent de vouloir faire que non, elle la connaît où? Elle s'est montée, s'est descendue. Voilà. Donc, moi, si elle m'insulte, je l'insulte. Il n'y aura pas... Donc, il n'y aura pas que... C'est, il faut respecter les artistes. Vous comprenez un peu? Voilà. Il n'y aura pas ça. Surtout qu'elle n'est pas Bami. Donc, il n'y aura pas que respecter les artistes. Parce que là, je suis en train de voir quelque part où elle m'a insulté. Alors que je n'ai aucun problème avec elle. Je lui ai tout donné les conseils. Hein. Le genre que quelqu'un te donne les conseils, tu te donnes les conseils. Elle donne les conseils. Elle a été dans les directs ici combien de fois? Quand il y avait les trucs avec Maman Katino là, la dernière fois, c'était même quoi ici qu'elle m'a envoyé là? Voilà le message de Papillon. Quand je voulais faire le litchi, elle n'a pas voulu pour Maman, pour Papillon là. Elle m'a envoyé que voilà le message de Papillon, que Papillon a envoyé ça du Cameroun. Pour me décourager, voilà le message de Papillon. Dans tous les dossiers. Alors que c'est elle qui m'envoie Mang et Maria, prions pour elle. Nous avons Nanani, hein? Nous avons Henri Jo qui est malade, on a d'autres personnes, on s'en fout. Zelze Mout. Donc, on cause non, le Congo ça et tout. Donc, voilà. Il faut arrêter. Si elle se lève aujourd'hui pour dire que parce que je lui ai dit qu'il ne faut pas, j'avais son macabo. Je n'ai pas de poids avec cette femme, mais c'est que hein, c'est une personne, c'est un faux cul en fait, c'est une fausse personne. C'est une fausse personne, non, je ne vous mens pas. Voilà. Si tu n'avais pas la force, tu ne pouvais pas parler. C'est une fausse personne, donc je vous dis, ce n'est pas que... Les puissants. Je ne veux pas parler, je ne veux pas les histoires que les gens vont croire que non. Dans les trucs, c'est mon truc. Viens parler le jour là quand on va t'attraper. Le mabon qui marche souvent avec toi là. La bastonnade de ça, si ça Yaoundé. Moi, je suis né à Yaoundé, on va faire ça. Et tu es né à Yaoundé, ça fait quoi? Ah, Yaoundé, c'est pour tout le monde. La personne qui t'encourage là, j'ai pitié de cette personne. Ah, quand tu as fait quoi, qui on a vu, dis donc. Tu as fait quoi, qui on a vu? Aline, t'as lavé propre. Quand tu es parti faire le truc, le problème, c'est que quelqu'un est derrière. Ça marche. Tu la suis pas. Maintenant, le jour qu'elle va faire la paix, tu la vois monter de sa mof, et là, nous, je venais même sang. Je serai seule contre tout, j'assume. Mon Dieu, je te rends grâce parce que. Mon Dieu, je te rends grâce. Non. Quand j'appelle mon Seigneur, il désorce. Attends. Ne viens plus me dire que c'est eux qui ont le pays. Hein. Arrêtez de me dire ça. Hein. Arrêtez de venir me dire que c'est eux qui ont le pays. Hein. C'est vous qui aimez la corruption, je ne suis pas dedans. Bref. Les sorcières. Regardez. C'est moi qui parle là. Piègement de ça. Elle va piéger qui? Tu es l'enfant de Dieu. Même c'est elle qui provoque. Même pour Réméo qui l'a tout mal, c'est elle qui est partie parler à la CRTV. On l'avait dans sa cabinet. Quelqu'un a son histoire avec le gouvernement, elle entre dedans. Vous croyez que c'est bien ça? Roméo lui avait fait quoi? Parlons vrai. Roméo réclame son argent, elle entre dedans. Pourquoi on devient quelqu'un de quelqu'un? De là, un bot qui tremble. Elle est tremble qui? Trouvez la date. Trouvez les sponsors. Les sponsors, hein? Vous voyez, elle cherche comment elle va lancer son album. Vous avez vu? Machin, pleurez. Elle cherche son album. Machin. Vous voulez?
Ah. Ton nom, on va trouver ton nom. C'est bien, te va très bien. C'est bien, sincèrement, c'est bien, ça te va. Tu as souvent dit que j'ai cherché, je cherche, je trouve, je trouve, je supporte. Ah. On ne va pas te parler, tu es qui? Face. On va se parler face à face. Face à face, face à face. On va se déshabiller. Maman, sur YouTube, je cherche. Ça saute, ça va sauter de partout. De te percer. Ah bon? Les choses qu'on met sur toi là. Quelle chose? Naturel. Tu dis que je peux t'accoucher, bon, voilà mon corps. Maman, je n'ai jamais eu que c'est toi qui me compte, on dit qu'on t'appelle la mère. Si elle dit les gros mots, tu vas pleurer. Qui va pleurer? Mes gens, priez, restez en prière, il n'y a que le Seigneur. Hey. Restez en prière, parce que quand les gens veulent faire du mal, Dieu les assomme. Ah. Le feu de ça, vous allez vous manger comme les crapes. Qui? Ouais, j'ai rien fait. Tu as fait? J'ai rien fait. Les marabouts au Bénin, tu as fait. Et tout le monde le sait, même l'autre qui est au Gabon, là, on appelle ça que quoi là? Tu as fait. Tu entres à l'église. C'est votre problème. Vous tous vous partez chez Marabout. Vous finissez dans les églises là. C'est votre problème. Et vous croyez que vous allez toujours attaquer, on vous laisse. Tu vas attraper qui? De clash. Ce que tu fais là, c'est quoi? Coups de poing maintenant. Ah bon, hein? On ne fait plus les clashs. Elle va donner les coups de poing à qui? Paye ton billet d'avion, se retrouve au Cameroun la semaine prochaine. Une seule. J'ai dit que prends ton billet d'avion. Vous restez n'est pas important. Sortez même à gauche, à droite, je ne... Attendez, je descends, mais je descends. Donc, vous avez écouté comme moi ces déclarations qui font froid au dos d'une personne à qui les chanteuses de Bikuti ont fait confiance. Elles se sont confiées et c'est elle qui vient encore. J'ai froid. Mais si Chantal était Bamileke, elle n'allait pas subir ça. Parce que les Bamileke respectent, ils protègent. Mais comme ils n'ont pas de grandes chanteuses, il faut détruire toute la clique des chanteuses de Bikuti. Et l'erreur, c'est que les deux chanteuses sont allées se confier là-bas. Et c'est ça qui donne cette avalanche d'humiliation qui va continuer. Parce que quand quelqu'un dit qu'il te connaît depuis 2013, je suis très choquée. Mais je savais que ça va arriver. C'est pour ça que j'ai toujours refusé des relations avec des filles qui n'ont pas un métier. Parce que quand tu n'as pas un métier, tu t'en fous de celle qui a un métier. Tu vas la respecter. Mais quand toi aussi tu as ton métier, tu fais attention. Tu dis, si je l'humilie, elle aussi va m'humilier, ça va donner quoi? Mais tu n'as jamais rien fait. Tu te lèves seulement pour aller vendre le sexe. Tu ne peux pas respecter le travail d'une chanteuse. C'est la chanteuse qui doit savoir que je ne dois pas aller me confier chez une vendeuse de sexe. Même si ça me gratte comment? Même les chanteuses, il y a des chanteuses qui couchent avec les femmes. Pourquoi ne pas coucher entre vous? Vous allez chercher les prostituées, qui a quel problème? Il y a les femmes, il y a tout ça dans tous les milieux. Pourquoi tu descends dans la boue? Voilà donc ça. Et elle dit qu'elle va continuer avec les déclarations. Nous sommes sur Internet. Tu peux dire que tu ne crois pas, mais il y en a d'autres qui vont croire. Le but, ce n'est pas de venir humilier. Ce qui se passe dans la sexualité doit être caché. Quand vous avez pris ma vidéo et allez publier sur Internet, j'ai juré que votre vie aussi doit être à découverte pour qu'on sache qui nous sommes. Je ne peux pas avoir honte des vidéos qu'on a publiées parce que je fais l'amour avec un homme. Je suis dedans. Mais écoute ce qu'elle dit de toi. Ça,
les Camerounais ne sont pas encore prêts à digérer, à écouter ça. C'est trop sale. Les Camerounais croient que le monde est rose. Quand ils vont découvrir les profondeurs du mal qui existent là-dehors, ils vont comprendre que moi je suis une sainte. Est-ce que j'avais vraiment besoin qu'on me publie, que vous me publiez comme vous l'avez fait, pour dire que moi je couche? Vous aurez dû me laisser tranquille dans ma vie, puisque je continue à coucher. Hein? Je continue à coucher. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'aller publier mes vidéos et mes photos? Hein? Maintenant, une fille Bamileke, elle laisse sa famille. Elle va publier la vie d'une noble fille Betty. Qu'est-ce qu'on va comprendre dedans? C'est toi-même qui allais lui raconter ta vie. Est-ce que tu avais besoin d'aller lui raconter ta vie? Est-ce que tu avais besoin de faire des choses avec ses sœurs? Les Bamileke se concertent dans le monde entier. Tu fais à Londres, elle appelle celle de France pour lui dire. Hein? Maintenant, le manok est cuit. Bien boya. Comment on fait ça? Mon frère, tu t'es racisé. Nickel. Ma zoa manga zi mala. Mimbon mi manibe. Je voulais vous mettre au parfum. Parce que cette histoire, nous on ne va pas guetter ça comme si on a peur ou bien qu'on a honte. On va aussi écouter, beaucoup d'entre vous ont vu mes photos et vidéos. Il ne fallait même pas déjà faire l'amitié avec elle. Là où Fleur de Lille est là, elle ne connaît pas ma chose. Elle ne connaît pas ma vie. Pourquoi elle était partie causer avec elle? Elle a beaucoup de SMS. Hein? Elle a aussi même les voices et les vidéos. Pourquoi aller faire les amitiés avec des filles comme ça? Je remercie Dieu. Ça a un peu duré, mais je remercie Dieu parce que toute la vérité sort. Je voulais entendre toute la vérité. Je ne peux pas souffrir comme ça que moi-même, je suis aussi venue chercher ma vie en France. Je suis avec mon mari, vous détruisez. Je quitte même le mariage que ça tourne mal. Je ne peux pas sortir avec un homme, vous venez me chasser. Je ne peux pas sortir avec un blanc, vous me harcelez. Vous publiez son père à l'AVC. Et vos vies seront calmes, non? Il fallait que la foudre arrive. Je suis aussi née des parents. Je suis aussi née dans une famille où les gens m'aiment. Beaucoup de gens m'aiment. Ce que j'avais subi, c'était méchant. Il fallait qu'il y ait le retour. Là, on va se respecter maintenant. Quand tu parles, tu dis « Hey !» Parce que si ça sort encore, ça sera grave. Ma journée est sponsorisée par Guess. Oh oui. Tu ne peux pas contrôler quand il y a le mensonge et la vérité. Il ne faut même pas faire les amitiés avec les femmes faciles comme ça, les filles qui vendent le sexe. Tu ne fais pas l'amitié avec elles. Elles ne peuvent pas garder les secrets. Comment tu sauras qu'il y a la vérité ou le mensonge? Tout ça, ça anime la galerie. Tout ça, les gens veulent quand les gens se détruisent. Quand il y a les querelles, c'est celle qui sait s'engueuler qui gagne. C'est celle qui sait alors s'engueuler qui gagne. Quand tu ne sais pas t'engueuler, ne cherche pas les problèmes. Oh ouais, toi, Zangmezo, quand tu ne sais pas t'engueuler, évite les problèmes. Parce que celle qui sait s'engueuler, c'est elle qui va gagner. C'est celle qui connaît détruire, nuire, qui va gagner. Quand Fleur de Lille a commencé sur Internet, elles ont applaudi. Elle va continuer, elle est détruite, nous allons applaudir. Parce qu'il fallait que la roue tourne pour que chacune d'entre nous sache alors que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà. Je vous laisse. À bientôt.